Le restaurant glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présentent Concept d'art. Salut à vous, bienvenue sur Fusion TV, mais également sur Connection.tv. De suite, concept d'art. Je me suis rendu à Chalcher à la rencontre de l'association La Maison de Léopold, créée en 2013. De suite, vous présentez mon interlocuteur du jour, il s'agit de Jean-Luc Toussaint. Jean-Luc, bien le bonjour. Bonjour. Comment tu bonjour vas bien. Ça va bien, ouais. Tranquille. Ouais, ouais, faisait pas trop chaud sous ton masque. Non, non, ça va. Ça va. J'ai l'habitude de porter des masques, donc ça va. Te demander tout de suite, qu'est-ce que l'association La Maison de Léopold? Alors l'association La Maison de Léopold qu'on a créée en 2013, c'est une association culturelle qui a été. On voulait rapprocher ce qu'on avait de commun avec l'Afrique, puisque moi j'ai vécu une vingtaine d'années en Afrique, donc. Je connais bien certains pays d'Afrique et puis l'Amérique aussi. Parce que en Amérique, il y a une population créole qu'on ignore souvent, mais qui existe. Donc on voulait rapprocher toutes les cultures, puisque ça n'existait pas. Bon, en Martinique, on parle toujours de l'Afrique, on parle toujours, mais en Éphive, il n'y a pas beaucoup d'échanges, quoi. Donc à notre niveau, bien sûr. Hein, quand je dis on voulait rapprocher l'Afrique et puis la Martinique, mais c'est à notre niveau de l'association avec nos adhérents. Et donc on a créé cette association et on a fondé, comme on faisait le carnaval tous les ans, on a fondé un groupe à pied qui s'appelle Assomaron Madnik. Et tous les ans, on fait nos masques et nos costumes. Ah, tous les ans, ça veut dire que l'an dernier, vous étiez dans les rues, cette année, à nouveau encore. Cette histoire de Covid, ça vous a gêné ou pas? Ah ouais, on a arrêté nos activités en 2020, puisque le Covid a commencé en 2020 et on reprend tout doucement, quoi. Progressivement. Ouais. Alors, je me suis rendu donc dans cette association. Vous pouvez le voir tout autour de nous, il y a des masques. Qui sont ces personnes qui sont à l'origine de ces masques? En effet, notre association regroupe des adhérents qui viennent de partout, de Martinique. Donc, on est à Chalcher. Bien sûr, le siège social est à Chalcher, mais les gens viennent de partout. Il y en a du Robert, du Marin. Il y a des gens qui viennent du Diamant. On est un petit groupe. On est 25, pas plus, 20-25. Parce qu'on voulait garder cet aspect familial ou de copains. On voulait pas que ce soit une association une grosse association où on connaît plus les gens. Donc on voulait garder une certaine ambiance. Et donc pour le carnaval, on commence au mois d'octobre à fabriquer nos masques et nos costumes pour arriver au mois de janvier, février pour le carnaval. Alors est-ce que cette année il y a un thème bien précis? Non, cette année, on n'a pas de thème précis. Cette année, on a laissé libre cours à chacun notre imagination pour les masques. Donc chacun va faire le masque qu'il veut, dans le thème qu'il veut. Normalement, chaque année, je donnais un thème. Donc il y avait le thème des diables, et le thème des masques africains, le thème des clowns, il y avait le thème aztèque, des masques aztèques, etc., etc. Cette année, c'est libre cours. Voilà. Alors, pour la conception de ces masques, on utilise quoi? Du papier mâché? On a développé au fil des années, puisqu'on a commencé en 2013, même avant d'ailleurs, on a développé des techniques personnelles, particulières du travail du carton. Alors, ce n'est pas du papier mâché, c'est la sculpture du carton. On sculpte le carton, on associe des feuilles de carton avec de la colle, on fait des épaisseurs, on sculpte ces blocs de carton. Après, qu'on vient coller, qu'on vient assembler, et ce qui fait à la fin un masque. Mais quand ces blocs de carton sont assemblés, c'est brut. Ah, donc pour affiner les formes et pour lisser les formes, on utilise du papier journal avec de la colle de tapisserie. Ce sont des bandes de papier journal que l'on vient coller, on comble les trous, on comble les angles, et on affine le masque, ce qui donne après une forme lisse, comme un visage, comme la peau. En effet, c'est une peau qu'on met après sur le masque. Une fois que le masque est terminé, après il y a la décoration.
Alors la décoration, c'est la peinture, c'est tous les accessoires qu'on va venir ajouter. Alors ces accessoires qu'on vient ajouter, c'est souvent des accessoires qui viennent de matériel de récupération que l'on récupère dans la rue ou des vieux balais. Alors c'est des vieux balais, des vieilles cordes, des canettes, des capsules de bouteilles, et j'en passe, c'est meilleur. Hein. C'est tout ce qu'on peut récupérer, des plumes, etc. Et avec ça, on fabrique des accessoires qui viennent sur les masses. Tout à fait, voilà. Je vois bien. Et donc, tout ça, c'est de la récup. Que soit le carton, que soit tous les constituants du masque, c'est de la récupération. Alors, je dis pas ça parce que c'est la mode de la récupération, hein, mais parce que c'est parce qu'on fait, on utilise en définitive des matières qui ne reviennent pas chères. Voilà. Donc le coût d'un masque, en définitive, quand on fait ça, ça revient pas cher. Chacun peut ramener ce qu'il veut, hein, qu'il a trouvé dans son coin, et faire son masque avec. Est-ce que d'autres associations vous ont déjà demandé des masques, c'est-à-dire ils ont passé des commandes? Oui, alors, non, pas passer des commandes, mais venir prendre la technique et venir travailler ici. Il y a des associations qui sont venues travailler à la maison. Donc il y a des ateliers. Il y a des ateliers qui sont venus faire des ateliers. Un exemple, une association voulait un masque particulier, mais pour tout le monde. Tout le monde avait le même masque, mais c'était un masque bien particulier. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Est-ce que tu pourrais nous conseiller? Est-ce que tu pourrais nous montrer comment on peut faire ?» Ils sont venus ici. Là, on a fait un gabarit, on a fait un prototype. Oui, on a fait un prototype. Comme ça, une fois que ça leur correspondait et qu'ils voulaient, ça correspondait exactement à ce qu'ils voulaient, ben, ils ont appris la technique et de leur côté, dans leur association, ils ont fait leur masque. Bien. Donc, voilà. Alors, parlons de ces ateliers. Les enfants, ils sont conviés? Oui, alors après, bon, ça, c'est pour les associations. Mais après, tout le long de l'année, on fait ici en Martinique des ateliers pour les enfants. Alors, souvent pour les écoles. Les écoles nous demandent de venir, donc c'est des écoles primaires, des écoles secondaires aussi. On va dans les collèges, on va dans les petites classes CM1, CM2. Période de carnaval. Période de carnaval. D'accord. On commence, ouais, période de carnaval. Hein. C'est-à-dire qu'on commence en janvier. Et donc ça, c'est les ateliers en Martinique. Mais aussi, on a développé un concept. C'est l'atelier de conception de masques à l'étranger. C'est-à-dire que ça nous sert à voyager, avoir du contact avec les autres, d'autres pays qui ont des carnavals ou qui ont des... Un exemple? Oui. En exemple, hein. Ouais. En exemple, ben, on est allé au Mexique. Oui. Où on fait... Alors, au Mexique, on a commencé en 2018. Jusqu'en 2019, tous les ans, on est allé là-bas pour faire des ateliers de masques. Ils étaient demandeurs. Donc, on y allait. Alors, pour le Mexique, c'est la fête des morts. El Día de los Muertos. Et c'est la fête des morts. On y va, qui correspond à notre Toussaint, à la Toussaint de chez nous. C'est le 1er de novembre. On y va au mois d'octobre. On fait des ateliers dans plusieurs villes. Pour des groupes d'artistes, de jeunes, etc. On leur montre comment faire des masques. Ils font leurs masques. Alors là-bas, c'est souvent des têtes de mort puisque c'est la fête des morts. C'est bien particulier. On s'adapte, en effet, on s'adapte aux traditions du pays. Et puis, donc, voilà, donc tous les ans, on va au Mexique. La Louisiane, on y retourne cette année, au mois de mai, en Louisiane. Et ils sont demandeurs, c'est eux qui nous ont appelés. On est allé une première fois pour présenter ce qu'on faisait et chaque année, ils nous rappellent. Alors, en Louisiane, nous, en Martinique, on si bien particulier, le masque qui ressort automatiquement, c'est le masque du diable. Ouais. Mais en Louisiane... Alors, nous, c'est le masque du diable parce que le diable, c'est le représentant, en défi, c'est le représentant emblématique, le diable rouge est le représentant emblématique de la Martinique. Hein, du carnaval de la Martinique. Du carnaval de la Martinique. Oui. C'est le diable rouge. Ouais. Après, il y a d'autres personnages, bien sûr, mais le diable, c'est quand même quelque chose qui, à l'étranger, le diable rouge, a marqué et marque le carnaval à Martinique. En Louisiane, c'est différent. Ils ont un carnaval, un gros carnaval, comme nous, on a à Fort-de-France, à la Nouvelle-Orléans, mais ça, c'est surtout une parade. C'est pas un carnaval populaire, comme nous, on le connaît, où tout le monde descend dans la rue. Là, c'est une parade avec des chars. C'est surtout des chars. Alors que nous, en Martinique, c'est surtout des groupes à pied. On est allé faire le carnaval là-bas, mais on a été invité par un groupe. Il faut être invité. Mais là-bas, une association de carnaval, c'est 2000 personnes. Quand même. Nous, on est 30, eux, c'est 2000 personnes. Et oui, mais c'est à l'américaine. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà.
Donc, alors, il y a ce carnaval-là à Nouvelle-Orient, qui est un carnaval, c'est le carnaval qu'on connaît le plus au niveau international, puisque c'est ce gros carnaval qui, chaque année, ils font pas mal de publicité pour ça, et ça attire pas mal de tourisme. Et après, il y a un carnaval dans la campagne, dans le pays, qui est local, où là, c'est un carnaval traditionnel, qui n'a rien à voir avec le carnaval de la Nouvelle-Orient, et ils ont des masques particuliers. C'est vraiment, alors là... Mais leur demande cette année. Alors, leur demande, c'est parce que cette année, en plus, c'est l'année de là-bas du créole. Yes. C'est l'année où où les gens ont voulu faire une année du créole. Et donc, parce que là-bas, alors il faut savoir aussi que pour en Louisiane, il y a une grosse communauté créole et les gens parlent créole dans le, enfin à Nouvelle-Orléans aussi, mais surtout dans le pays. Et il y a plusieurs associations de défense du créole ainsi que de défense du français qui existent et on a contact avec ces associations et donc ils nous ont appelés pour faire présenter ce que c'était que l'âme créole. Alors ma femme qui est martiniquaise, c'est elle qui s'occupe de ça. Elle a préparé son sujet, elle est psychologue, donc elle connaît bien le sujet. Et on fait des tables rondes, on va faire des tables rondes sur ce qu'est l'âme créole. Bon, ce sont des échanges. Hein. Tout à fait. En présentant un thème et on discute sur le thème. Alors c'est la langue, le créole, le développement de la langue créole là-bas, qu'est-ce que ça représente le créole pour nous, pour eux, etc., etc. Il y a ça et des ateliers de masques. Donc il y a des tables rondes pour le créole et des masques, des ateliers de masques. Alors les ateliers de masques, si tu veux, c'est pas dans leur tradition. Ils veulent que l'on fasse des ateliers de masques à la demande des gens. C'est-à-dire que voilà, il y a plusieurs thèmes, mais ça ne rentre pas dans ce carnaval. On rentre pas dans leur tradition de carnaval est, quoi. Tu vois. C'est vraiment des ateliers d'art artistique, donc pour faire des masques. Concernant le carnaval. On va dans deux écoles aussi. On va dans deux lycées où on va faire des masques aux gamins. Concernant justement le carnaval de la Louisiane, qu'as-tu apprécié ? En Louisiane, c'est la folie, quoi. Ce sont des fous là-bas. Alors, on ne dit pas le carnaval là-bas, c'est le Mardi Gras. Le Mardi Gras. Ça s'appelle carnaval. Ouais, c'est le Mardi Gras. Ouais. Mais ça correspond, c'est un autre carnaval. Ouais. Et donc, oui, ce sont des dingues, quoi. Quand ils tu sont, dis des sont, dingues, mais nous, on est des, nous, on a un carnaval qui est beau. Nous aussi, c'est la folie, mais aussi, c'est quelque chose de totalement différent. Mais la musique n'est pas la même. La musique n'est pas la même. C'est surtout du jazz, du. Tu vois, c'est un. Ah oui, je vois, j'imagine avec des groupes, très bien. Bon. Mais c'est une folie aussi, une folie collective, quoi, dans la ville. D'accord. Et dans les campagnes. Et alors, dans les campagnes, c'est pareil. Ce sont des gars, alors, qui se déplacent. Alors, c'est des groupes de carnaval qui toute l'année font leurs masques comme nous. Alors, c'est toujours des masques. C'est des masques bien particuliers, mais qui suivant une tradition, tu vois. Et donc, le but, c'est de traverser les villages et de récolter de la bouffe. Alors, c'est une tradition où les gens demandent de la bouffe. Alors, ils jouent, c'est des orchestres, ils ont les violons, tout ça. Alors là, c'est de la musique cajun qu'ils jouent. Et ils traversent les villages. Et là, ils vont de maison en maison, les gens leur donnent de la nourriture, des légumes, tout ça, pour à la fin du carnaval, enfin à la fin de la représentation, faire un repas avec tout ce qu'ils ont récupéré, ils font un gombo. Le gombo, c'est un peu un ragoût louisianais. Et il leur faut un poulet, il leur faut du poulet. Alors le poulet, alors c'est très traditionnel. Il y a le mec, alors à un moment donné, ils se regroupent dans un coin, tous là, ils sont 200, 300. Il y a un gars qui a un poulet et qui jette le poulet. Et tout le monde court après, c'est le premier qui va attraper le poulet. Alors, ils se battent dans la boue, tout ça pour attraper le poulet. Donc ça, c'est traditionnel, voilà. Bon. Donc c'est un truc de dingue aussi. Avant de revenir sur le carnaval d'ici, on va parler du carnaval d'Afrique, puisqu'il y a eu des échanges avec le Mexique, avec le Sénégal, ouais. Le Mexique, la Louisiane, mais également le Sénégal. Ouais. Alors, différence. Sénégal, ils n'ont pas de carnaval au Sénégal. Hein. Alors. Sénégal, on est allé dans le but de... voir des masques. Hein? Des masques, ils ont beaucoup de masques au Sénégal. Alors, ils ont... tous les pays africains ont leurs masques. Oui. Mais, si tu veux, la cérémonie du masque en Afrique, elle n'est plus...
Avant, il y avait des cérémonies de masques où le masque accompagnait dans la vie des gens, de la communauté du village, accompagnait tous les comment on appelle ça, tous les niveaux de vie. Alors, c'est-à-dire que la naissance, c'était fêté, la circoncision, le baptême, le mariage, et la mort. Il disait. Donc, dans tout le développement de la vie d'un homme ou d'une femme, si tu veux, le masque accompagnait tous ces moments importants. Mmh. Et là, les masques sortaient. Mais pas que ça, il y a le masque sortait aussi pour les semailles, quand il y avait des semailles, pour attirer que la semaille soit bonne, que la terre soit fertile, que les pluies soient abondantes, que le grain pousse, il y avait une sortie des masques aussi. Donc tout ça, ça faisait partie de la vie sociale. Maintenant en Afrique, ça a disparu tout ça. C'est quand même, si, dans certains pays encore, mais dans l'Afrique s'est modernisé, dans les grandes villes, tout ça, ça n'existe plus, le masque. Mm-hmm. Le masque, c'est vraiment pour les touristes, c'est un truc décoratif. Le masque en Afrique est arrivé à... Le masque en Afrique, à part les masques réels qu'on trouve dans les musées, si tu veux, le masque qu'on trouve maintenant accroché dans les boutiques en Afrique, c'est pour vendre, c'est pour décoratif. Mais... On est allé là-bas pour faire un échange avec des groupes africains, des groupes culturels qui eux dansent et qui fabriquent des masques. Et donc on est allé pour un échange et on a échangé avec ces gens-là. Si bien que quand on est arrivé pour dire nos masques, on avait amené nos masques africains, le thème africain. Quand on est arrivé dans des lieux, dans des villages où on était habillé, donc on s'est mis dans un coin, on s'est habillé, on file sur le tam-tam, hein, mais c'est pareil, hein, c'est très rapide, hein. C'est entraînant en plus. Les mecs qui nous accompagnaient, enfin le groupe qu'on rencontrait, comme on était habillé avec des masques africains et des costumes, pensaient qu'on était des gens qui venaient d'un autre pays africain. Tu vois? Oui, j'imagine très bien. Mais au moment où la cérémonie était finie, on a enlevé nos masques. Alors là, quand ils ont vu, il y avait des blancs, des cafés au lait, de toutes les couleurs. Parce qu'on est venu de Martinique, donc il y a toutes les couleurs chez nous. Hein. Et là, ils ont dit, mais vous n'êtes pas africain? Vous êtes bien inséré dans le truc, en tout cas. On a dit, non, on vient de Martinique. Et là, on l'a expliqué où était la Martinique. Voilà, c'est dans les Caraïbes. Ce sont des gens qui sont originaires d'Afrique, etc. Donc, on a tout expliqué. Et c'est comme ça que petit à petit on lie des liens. On a lié des liens avec eux. Maintenant, bon, ce sont des échanges que l'on renouvelle de temps en temps, quoi. D'accord. Alors, tout de suite, on va revenir au carnaval de la Martinique. Cette année, pas de thème, on le dit bien, mais tous vos masques vont sortir. Mais encore, vous êtes combien dans cette association? On est 20. 20, mais c'est comme, tu sais, il y a un truc du CID qui dit par un prompt renfort, il se retrouve 3000 en arrivant au port. Donc, c'est-à-dire qu'on est 20, mais que le jour du carnaval, quand on attire les gens, et donc on monte jusqu'à 35. Alors, vous êtes 20 pour le côté masque, chacun cette année fera son masque. Vous avez un groupe avec vous, comment ça se passe? Alors, on a un groupe de musique. Mais c'est pas un groupe attribué, qui est attitré à l'association. Mmh. Ce sont des copains, plus des copains qu'autre chose, et qui nous demandent à chaque fois si on veut être derrière eux pour défiler. Quoi. Normal, vous avez vu ces masques. Voilà. Là, tout de suite, je vais me tourner vers le masque qui se situe juste ici. Ouais. Celui-là, c'est un masque africain. Alors ça, c'est un masque africain, enfin un masque dont les traits sont inspirés de masques africains. D'accord. Après, on le met à notre sauce. D'accord. D'accord. Ouais. Quand on parle de masques africains, c'est des masques que l'on fait inspirés de masques qui existent. Mm-hmm. D'accord. Mais qui sont à la sauce martiniquaise, à notre sauce à nous. Donc voilà. Alors, je vois bien les perles de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Je vois les coris d'Afrique. C'est ça. Même les peintures. Souvent les peintures que l'on met sur nos masques, sur ces masques-là. Ce sont des peintures qui existent réellement dans certains pays d'Afrique où les gens aussi se peignent le visage. Oui, c'est vrai. Quelle est la difficulté à faire un masque? Alors la difficulté, ben,
Il n'y a pas de difficulté. Quand je vois qu'on fait faire des masques aux enfants, à des enfants de CM1, CM2, et puis qu'ils arrivent, et puis même à des adultes qui n'ont jamais travaillé de leurs mains et qui ne travaillaient pas trop leur imagination et qui là ils sont obligés de travailler et qui arrivent à faire un masque, donc on ne peut pas dire que ce soit difficile puisque de toute façon ils sont encadrés. Tu vois ? Beaucoup d'imagination. Alors il faut de l'imagination, mais on aide aussi l'imagination. Quand le mec n'en a pas, on lui injecte avec une seringue. non, mais c'est une image. Mais oui, je veux dire, on l'encadre et on lui dit, tiens, tu devrais faire comme ça. Voilà. On s'inspire de photos, on va sur Internet, si on fait un diable. Voilà, tu vois. Et puis après, on essaye de développer l'imagination pour que le masque soit vraiment personnel. Pour pas que ce soit une reproduction d'un masque qui existe ou d'une photo qui existe. Non, on a la photo, on part d'une photo, pour quelqu'un qui n'a pas d'imagination, enfin qui commence, qui débute le boulot, il s'inspire de ça. Bon, un masque, si tu prends un diable, c'est des cornes, c'est... Bon. Ouais, tout à fait. Et après, le gars, il fait son masque, il va faire son masque comme il entend. Et le masque, c'est vraiment personnel, c'est quelque chose de personnel. De toute façon, un masque, c'est personnel. Hein. Moi, mes masques à moi, j'ai des masques là, qui m'accompagnent depuis une dizaine d'années, depuis qu'on a formé l'association, c'est vraiment mes masques. C'est les masques que je porte, personne ne porte ce masque-là. Et puis je ne vais pas les donner à un autre parce que ce sont mes masques. Ils ont ma transpiration dedans, ils ont ma sueur. Non, mais. C'est important. Non, mais il y a un aspect aussi mystique. Le masque qui a servi, c'est un masque qui a servi. En plus, c'est du carton, donc ça s'imprègne parce qu'on transpire, tout ça. C'est un masque, c'est quelque chose qui vit. Ce n'est pas un bout de carton ou une reproduction, c'est pas de la déco quoi. Énergie, c'est pas de la déco. Ouais, c'est pas de la déco, mm-hmm. c'est quelque chose de vivant puisque dès qu'on met le masque, ça y est, on a changé de personnage. Mais je t'assure, ce ne sont pas des histoires. C'est-à-dire que moi, quand je mets un masque, mettons mon masque africain, hop, ça y est, je me transforme en un autre être. Je ne suis plus Jean-Luc Toussaint. Ouais, je comprends. Non, mais vraiment. C'est vrai. Et ça le fait chez tout le monde. Hein. Parce qu'il y a des gens chez nous, s'il n'y avait pas de masque, ils ne défileraient pas. Parce qu'ils ont. Moi, dans le groupe, il y a des gens, s'ils n'ont pas de masque sur la tête, ils ne défilent pas. Parce qu'ils veulent pas. Ils sont timides, ils veulent pas. Toi, mais dès qu'ils ont le masque, ils sont dans le groupe, c'est parti. D'accord. Tout de suite te demander, alors je vois juste en face de moi, et on va le montrer à l'écran, un chimpanzé. D'accord. Il défile avec vous ou quoi? Non, ça c'est juste une. Ça c'était pour un festival de Fort-de-France. Il est accroché dans un arbre sur la savane. Donc c'était vraiment particulier, mais le problème c'est qu'on fait, pas mal de masques et puis d'autres choses en carton. Mais le problème c'est qu'après, on ne sait plus où les mettre. Donc, il est avant celui-là? Il est là. D'accord, je connais quelqu'un qui serait intéressé. Ah ben tu me dis, c'est vrai. Bon ben il peut venir, hein, tu lui dis qu'il vienne. Ouais, sans problème. Ouais. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous en avez appris un peu plus sur les masques de cette association qui s'appelle Maison de Léopold avec les groupes à pied qui s'appellent Assomaron Matnik. D'accord. Et c'est ainsi que je concède le mot de la fin à l'invité du jour, qu'il s'agit de Jean-Luc Toussaint. Eh ben, bon carnaval à tous. Et puis, nous là. Voilà. Thank you.